Bon, allez, on est parti. Go, 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 Fabien Lambray. On est parti pour un petit VR. Hop. Alors, je m'installe dans la voiture. Hop, on est bien. Je sais pas où aller l'autre voiture. Allez là, la Mégane, là, c'est une Mégane RS qu'on a derrière. Donc Fabien Lambray est un streamer qui stream de la retouche photo, car c'est un photographe professionnel qui fait de la photo sur du cosplay. Donc si vous aimez la retouche photo, bah allez faire un petit tour, franchement c'est sympathique. Fabien, il est très 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 sympa. On discute bien, on a des bons moments de rigolade. Franchement, moi je vous le conseille. Moi je vous le conseille. Allez-y faire un petit tour. Franchement, c'est super sympa. C'est super sympa. Moi, je l'apprécie beaucoup, 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 beaucoup. Donc, régulièrement, le jeudi, 21h, je crois, ou 20h, je ne sais plus. Entre 20h et 21h, je crois, si je me trompe pas. Moi, je dois me courir vers les 21h quand il est là le jeudi. Donc, je suis régulièrement en lurk les jeudis chez Fabien Lambray. Et j'avais envie de faire un petit spécial aujourd'hui. Donc, pour commencer, bah, je suis parti sur une petite course VR. Avec cette petite Jaguar. Donc je vous dis, c'est un photographe professionnel. Et tous les jeudis, il fait ses retouches photos. Et on a le plaisir de voir un peu ce qu'il fait. C'est super sympa. Hein, il nous fait un petit aperçu de la photo de base. Et une fois que c'est terminé, bah, il nous présente un peu la photo de départ et la photo terminée. Et les rendus, franchement, sont vraiment pas mal du tout. Quoi. Moi, je vous conseille. Après, c'est un joueur aussi... De Diablo Immortal que j'ai découvert. J'en apprends encore un peu sur lui tous les jours. À chaque fois que je me mêle au stream, à chaque fois que je me mêle au chat. Moi je l'aime bien, franchement il est super sympa comme gars, j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Après ça, on va dire que c'est pas du tout de mon style, vous allez dire, mais moi j'ai pas de style. Je regarde un peu toutes sortes de streamers, je regarde de la rétro... La rétro réparation, je regarde un peu les streamers qui streament sur les jeux rétro, je regarde les streamers qui font de la réparation de vieilles consoles.
Bah, je regarde créateur artisanat, je suis aussi un peu Mustel. J'aime bien aussi, franchement, elle est super sympathique. Tous les jeudis, par je crois que c'est tous les jeudis, je dis pas de bêtises, pareil pour Mustel. Tous les jeudis, elle fait un petit jeu sur RPG Maker. On est en train de faire un petit jeu sur RPG Maker. Et avec les points de chaîne, vous pouvez, elle peut créer un petit avatar, un petit personnage quoi, sur le jeu. Donc le petit jeu, votre avatar fera partie de la partie, on va dire. C'est super sympathique aussi. Mike Durand qui fait pareil de la réparation rétro gaming. Donc si vous avez des vieilles consoles que vous voulez refaire, bah, c'est super sympa. Ça vous donne, vu que lui fait les réparations, bah, vous regardez ses petites rediffusions, ça vous permet de réparer vos vieilles consoles. Super sympa. Voilà quoi, donc j'ai plusieurs choix. Je regarde un peu tout. Et puis voilà. Bon, comme je disais, là, chez Fabien Lambray, moi, c'est beaucoup de la retouche photo, quoi. Après, on parle de tout et de rien, hein, ça, c'est... Tout dépend le sujet. Pour dire, le dernier stream que j'ai suivi de Fabien Lambray, on a parlé un petit peu de... des sagas Marvel, des sagas cinématographiques d'ici. Voilà, on parlait un peu cinéma. Non, mais on parle de tout, hein. Il est ouvert à tout. C'est un gars super sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Normalement, j'ai pas accès au chat quand je suis avec le casque VR. Donc, je suis désolé, les amis, si je ne réponds pas. Mais je vous reprendrai après. Je reprendrai une partie en mode normal juste après celui-ci, juste après cette course. Ou après le comment dire, le au moment du replay de la course, je pense que je reviendrai sur le chat. Et pour le moment, je ne peux pas suivre le chat du tout. Là, en ce moment là, je me fais ma petite course. Avec cette petite Jaguar là, spéciale Fabien Lambray. Vous comprendrez pourquoi je dis que c'est une spéciale Fabien Lambray. Hein. Car je lui ai fait une petite dédicace au niveau du custom du véhicule. Au niveau extérieur, bien sûr. Là, on est à l'intérieur du véhicule, donc on voit pas trop. On verra un peu plus les détails lors du replay. Je pense que la musique est forte, j'entends pas beaucoup le moteur. C'est un peu gênant, je peux pas accélérer comme je veux. C'est un peu embêtant, je sais même pas où je suis à combien de tours là. Bah, souvent je suis au dernier tour, donc c'est bon. Bah, j'arrive à la fin là. On arrive à la fin de la course. Donc c'est bien sympa. Non mais c'était bien sympa, j'étais content de faire ce petit VR vite fait bien fait là. Voilà. On est arrivé, bonjour monsieur. Non, on n'est pas arrivé. Ah si, on est arrivé. J'ai plus le contrôle du véhicule. Donc voilà. Ok. Bon, on va regarder un petit peu la petite rediffusion de cette course. On va regarder un peu la rediffusion de cette course. Et puis voilà. Hop. Je lance la rediff. Je vais m'enlever du casque VR. Donc je sais pas trop ce que ça va faire. Voilà.
pas bien l'embray mobile. De quel micro ça part, c'est un peu embêtant parce que je sais même pas où il est le micro là dessus. Comme je dis, j'ai envie de faire un petit spécial donc sur Fabien Lambray, sur Gran Turismo Sport en mode VR. Moi, je pense qu'après ce petit stream en mode VR, je tenterai une petite course sur le Gran Turismo 7 avec appareil, hein, avec la fameuse Fabien Lambray mobile. Et je tenterai aussi avec une sorte de course d'endurance, donc avec la gestion essence et des pneus. Je pense que je tenterai une course avec passage au stand oblige, car je pense que je vais mettre l'usure des pneus et consommation de carburant. Se mettre vraiment dans l'ambiance, parce que là, il n'y a pas de VR mode sur le Gran Turismo 7, donc on sera en mode normal, mais ça va être sympa aussi, je pense. Et je la ferai. Je lancerai ce deuxième stream pour ce lundi 20 juin là, je lancerai le stream un petit peu après à 16h45 je pense. Et ben, je vous retrouverai vers 16h45 pour le prochain stream, pour cette spéciale Fabien Lambray. Je lui avais dit que je ferai quelques streams en dédicace, que je lui enverrai le lien ce jeudi qui approche là, pour qu'il voit un peu à quoi ressemble
cette dédicace, quoi. À quoi ressemble un peu le véhicule à son effigie. L'idée que j'en ai faite. Comme je vous ai dit, vu que c'est un photographe professionnel, j'ai claqué quelques appareils photo à droite à gauche à la voiture. J'ai mis un petit peu de stickers. Comment dire, art design, on va dire, vu qu'il fait pas mal de retouches photo, vu qu'il est dans le mode cosplay, il est dans le cosplay, donc le cosplay, beaucoup, c'est de faire des costumes au niveau des mangas, de la japanisation, surtout beaucoup. Je pense que c'est parti de là au départ. Je lui ai mis quelques petits dessins manga sur le véhicule. Je dois voir un petit personnage de Nier, je crois aussi. J'ai dû coller, je ne sais plus, sur l'avant, là. Sur l'avant, je crois que j'ai mis sur l'avant. Ou sur l'arrière, je ne sais plus. Ah, là, sur l'arrière, là. Ok, à droite. Je crois que c'est un personnage Nier. Bah voilà, bah allez le voir, hein, franchement c'est super sympathique. Allez sur Twitch, tapez Fabien Lambray. Comme je vous dis, à partir de 21h, je suis presque sûr à 95% que ça se passe le jeudi à 21h. Hein. Après, bah, il faut aller voir le planning. Mais normalement, je devrais pas trop me tromper. Mais vérifiez le planning quand même. Je sais pas trop ce qui va rendre ce stream au niveau du son. Que j'ai essayé de trouver une playlist Twitch qui ne coupe pas le son. Sachant que le son vient de l'extérieur, je stream sur PlayStation 4, le son vient du PC, moi je parle, je sais pas dans quel micro du tout, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà. Et bon, on va s'arrêter là pour ce stream, c'était bien sympathique. Le petit mode VR est effectué. Donc je vais préparer la partie sur Gran Turismo 7 et qui sera en mode normal. Puis on va voir ce que ça donne, quoi. Et puis comme je vous dis, je refais une deuxième spéciale pour Fabien Lambray sur Gran Turismo 7. Quoi. Je vous dis à tout à l'heure sur les coups de 16h45, quoi. En ce lundi 20 juin 2022. À ciao ciao et à tout à l'heure les amis. Je vais déjà voir si on a gagné quelque chose. Hop, je vais couper le mode VR. Oh mais on a gagné une voiture. Waouh. Et ben ça c'est top. Et qu'est-ce qu'on gagne comme voiture? Une Lamborghini? Eh ouais, une petite Countach 1988. Eh ben c'est très joli comme voiture. Moi je préfère en rouge quand même, quoique ça donne pas mal quand même. Je préfère la Diablo en jaune comme ça, moi. Ouais, ben c'est très joli. Hein. C'est très beau, très 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 joli. Sympathique. Et bon, on va s'arrêter là. Ben sur ce, les amis, je vous dis à très très bientôt. À tout à l'heure, vers 16h45. On se retrouve sur Gran Turismo 7 pour cette deuxième spéciale sur Fabien Lambray. À tout à l'heure.